J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens pour un petit vlog. Parce que j'avais besoin de vous parler de 2-3 petites choses. Pas très importantes. Mais j'avais envie de vous parler un petit coup. Pour commencer, je vais parler d'un sujet. Je pense le sujet le plus gros de cette vidéo. Enfin, c'est vraiment pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo à la base. Je n'avais jamais pensé avoir à faire cette vidéo. Jamais j'avais pensé devoir un jour faire cette vidéo, mais malheureusement c'est arrivé. C'est à propos des personnes en anonyme, enfin en masqué, qui m'appellent sur mon numéro privé, donc mon téléphone portable, pour m'insulter, me critiquer et tout ça. Sache petite personne, parce que je sais que tu regardes mes vidéos, puisque tu fais exprès de te foutre de moi en utilisant les répliques que j'utilise des fois dans mes vidéos. Parce que tu me fais beaucoup rire, que c'est drôle et que tu animes mes soirées quand je m'ennuie, et oui, donc tu fais plus rire qu'autre chose. Là, ça fait 2 jours que tu m'as pas appelé. Il y a autant des filles que des garçons, il y a jamais les mêmes personnes. Je sais pas si c'est le même groupe de personnes ou pas, je sais même pas comment mon numéro leur est arrivé, je sais pas tout ça, mais en tout cas c'est des personnes qui suivent mes vidéos, donc j'en déduis qu'elles sont abonnées à ma chaîne. Donc c'est des abonnés qui ont mon numéro et qui m'insultent en masqué. J'ai un numéro qui m'a appelé une fois pas en masqué, et quand j'ai répondu ça a raccroché, et je pense que c'est l'une des personnes qui m'a appelé en masqué et qui s'est trompée, parce que 2 minutes après j'ai reçu un appel en masqué, et en plus quand j'ai demandé à ce numéro qui il était, on m'a jamais répondu. Donc voilà, j'ai ton numéro petit coco, donc fais attention à toi, parce qu'en plus je ne suis pas bête, hein, si j'ai envie de faire quelque chose je peux le faire. Je pense qu'il faut mieux que tu t'arrêtes tout de suite, que j'aille au commissariat et que ça finisse mal. Ouais, je pense que c'est mieux pour toi que tu t'arrêtes. Voilà, entre nous, hein, même si ça me fait rire, je pense quand même que à un moment je vais en avoir un petit peu hein. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je pense que tu manques beaucoup, beaucoup de maturité et que tu manques beaucoup, beaucoup d'intelligence pour avoir fait ce genre de choses. Voilà, voilà. Ce que vous voulez. Il y en a qui n'ont pas de vie. Ensuite, sujet complètement différent. Pourquoi je veux faire genre l'espagnol? C'est mes écarteurs. C'est grâce à la vidéo de Mademoiselle Lulu, donc Lucie, que j'ai ses écarteurs, parce que un jour elle a fait une vidéo sur son écarteur et tout. Je l'ai regardé, le lendemain j'ai commandé des écarteurs. Elle m'a fait craquer carrément, j'ai vu son écarteur, j'étais oh my god c'est trop beau. J'ai voulu des écarteurs et je m'en suis fait un ici. Donc là pour l'instant je suis à 2005 et je vais aller jusqu'à 4. Je vous dis pas plus de détails, il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé de faire une vidéo dessus, donc si vous voulez plus de détails je ferai une vidéo consacré à mes écarteurs, mais je ferai cette vidéo une fois que je serai arrivée à mon étape finale, que je vous raconte du début jusqu'à la fin, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc aussi, je pense que quand cette vidéo sera publiée, les vlogs seront terminés, mais avec ma soeur sur la chaîne One Passion Two Sisters, je fais des vlogs pendant une semaine. On fait des vlogs à deux, c'est une chaîne à deux. Je pense que quand cette vidéo sera publiée, les vlogs seront terminés. Mais ça ne vous empêche pas d'aller regarder si ça vous intéresse. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une chaîne qui est faite avec ma soeur. Et ben, je pense que c'est tout. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Ah, mais en ce moment, j'aime trop Kirikou là. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Enfin bref, voilà cette petite vidéo, parce que j'avais envie de vous parler, parce que ça fait du bien aussi de vous parler. Parce que je vous aime. Ah oui. Si vous me voyez un jour, n'hésitez pas à venir me voir, parce que quand je vois des abonnés, ça me fait trop trop plaisir. Je prends des photos avec, on discute un petit coup et c'est trop 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 cool. D'ailleurs demain je fais une journée avec des abonnés, donc Carla et Lisa. Plein de bisous. Enfin voilà, bref, faut que je me taise un peu dans la vie. J'espère que ce petit vlog vous aura plu, même s'il n'a pas été méga méga intéressant. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas ça me fait plaisir de vous parler. Big kiss les amis.